comme je l'expliquais déjà, je préfère être troisième que seconde. Parce qu'on sort sur une victoire et on a rebroussé les manches après une défaite pour reconquérir un titre et une médaille. Donc voilà, après quand on rentre à la maison, c'est sûr qu'être vice-championne d'Europe ou être troisième, ça marque mieux. Mais dans l'état d'esprit, c'est vrai que c'est plus agréable quand on finit troisième que seconde. J'ai pas fait d'erreur, j'ai été correcte. On a mis en place un travail. Alors maintenant que je suis en équipe, c'est un petit peu plus compliqué à gérer en termes d'individuel dans la préparation. Mais quand même, voilà, ça a été hyper carré, j'ai pas fait d'erreur, j'ai fait ce qu'on avait dit avec Ayoub. Moi je pense que ça manquait un tout petit peu de peps, un petit peu de folie, voilà, comme je peux l'être de temps en temps sur mes individuels. Mais là, voilà, c'était hyper carré, c'était super. On s'est déjà parlé de ça, mais en fait tu repars pas avec une, mais avec deux médailles. Ouais, bah, l'équipe, c'est pour moi, c'est pas une surprise, mais c'est l'oxygène, quoi. Voilà, ça fait trois sorties qu'on fait, ça fait deux ans qu'on travaille ensemble maintenant. Et c'est notre première finale, c'est notre première médaille, et on est en finale. Donc ouais, c'est une bouffée d'oxygène, ça fait du bien. Ouais, pas si mal la Turquie, en fait. Ah ouais, non, mais j'adore la Turquie. J'adore la Turquie.